Alors, ce type de disque consacré à Liszt, vous l'avez dit, la sonate en si, tous les pianistes ont enregistré, donc il fallait que vous l'enregistriez. Oui. Ce morceau-là, tous les pianistes ont enregistré, et tous ceux qui n'enregistreront jamais rien, et qui un jour ont touché un piano, ont joué ce morceau. Oui. Ça fait donc beaucoup d'opinions sur le morceau. Tout à fait. Est-ce que vous vous êtes posé des questions avant d'enregistrer? Effectivement, beaucoup de questions. Déjà, je connaissais. Ce qui est très difficile, c'est quand on connaît parfaitement l'œuvre avant même commencer le travailler. C'est-à-dire qu'on l'a appris par quelqu'un d'autre. Et personnellement, en fait, moi je n'aime pas cet ordre-là dans le travail. J'aime bien découvrir l'œuvre par moi-même et après entendre ce qu'ils font les autres et peut-être m'inspirer d'autres interprétations. Là, je ne pouvais pas faire autrement puisque dès ma naissance, j'entends cette musique. La seule question c'était d'essayer d'oublier tout ce que je connaissais jusque-là et me fier que à la partition. C'est-à-dire dans la partition, vous avez toutes les indications nécessaires pour pouvoir jouer une œuvre. Et donc mon seul but, c'était de s'approcher plus de la partition et d'occulter absolument tout ce qui a été fait avant. Jusqu'au moment où, en fait, on le connaît l'œuvre parfaitement bien et après, à partir de là, c'est intéressant d'aller écouter ce qu'ils font les autres. C'est un petit peu comme aller au marché. Vous partez, ah tiens, il fait un truc comme ça, ça c'est intéressant, ça serait pas mal. Ah, l'autre il fait, hop, c'est moins bien. Enfin, je prends ça, je laisse ça, je prends ça, je laisse ça. Et puis, toute cette mélange en fait, de tout ça fait que ça donne quelque chose de personnel qui n'existait pas avant. Quelque chose de personnel avec quel genre d'idée? Qu'est-ce que vous avez envie de donner aux gens quand vous donnez une pièce comme ça? Bien sûr, la fidélité au compositeur et des tas de choses comme ça, mais au-delà. Au-delà, en fait, personnellement, pas plus que ça. La seule chose que j'ai envie de donner aux gens, c'est que quand ils viennent au concert, qu'ils viennent pour découvrir quelque chose, pour passer un moment qui sera, j'espère, dans un sens unique, parce que si le lendemain il revient et que je joue exactement la même chose, je ne jouerai peut-être pas pareil, parce que entre temps, ça se trouve que j'ai vu un truc à la télé qui m'a inspiré autrement, ou j'ai marché dans la rue, j'ai glissé, j'ai tombé, ou quelque chose où on m'a piqué 10 euros dans la poche, vous savez, on peut tout avoir, et puis à partir de là, ne plus avoir exactement le même rapport avec la réalité et ne pas avoir envie de dire exactement la même chose qu'on a dit dans le même morceau avec la même partition la veille. Donc la seule chose que j'ai envie, c'est que le public, ceux qui ne connaissent pas, qu'ils apprécient, et ceux qui le connaissent, en fait, ceux qui le connaissent, ils n'ont même pas besoin de moi, hein. Ils l'écouteront d'eux-mêmes. Non, j'ai envie de faire venir du monde au concert, ceux qui n'étaient pas là, qui ne seraient pas venus sans ça. Voilà. Et puis, tout simplement, donner du plaisir. Ils sont là, pas pour stresser, pour me voir en train de me ronger les ongles ou en train de me prendre la tête, mais plus pour venir et passer un moment agréable.